Bon matin tout le monde, bienvenue à cette euh, dernière prédication de la série sur la première épître de Pierre, Voyageurs et étrangers. Et euh, l'apôtre Pierre enseigne l'Église qui vit des temps difficiles. Et il y a une phrase qui roule beaucoup présentement dans notre culture qui, qui vient d'un roman de science-fiction science qui dit la chose suivante Les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des temps meilleurs, les temps meilleurs créent des hommes faibles. Et les hommes faibles créent des temps difficiles. Et il y a un cycle, hein, il y a un différent cycle, c'est un peu comme ta laveuse. Et présentement, dans, dans l'histoire en Occident, au Québec, euh, en Europe, aux États-Unis, nous sommes dans le cycle spin pour les chrétiens, où on sent qu'il y a de plus en plus d'opposition, d'hostilité au christianisme. Et c'est pourquoi, dans ces temps difficiles, ça prend des églises différentes. Euh, au Québec seulement, et je sais qu'il y a des gens qui nous suivent un petit peu partout euh, dans la francophonie, euh, au Québec, on a une laïcité, mais euh, très, très, très hostile aux religions. Donc, ce n'est pas nécessairement la neutralité de l'État, c'est l'absence de tout, de tout signe religieux. Donc, on l'a vu dans la pandémie où les chrétiens, les églises, les lieux de culte ont été marginalisés. Euh, on a des lois au Québec, au Canada, où euh, si on, on prêche explicitement certains passages de la Bible, on peut être passible jusqu'à cinq ans de Il euh, y a des zonages. Alors qu'on veut implanter des églises, notre plus grand défi, c'est des zonages. Où on dit oui, on peut au Québec, on peut avoir des églises partout, mais dans les faits, tu peux avoir des églises à très peu d'endroits. Euh, on voit également qu'une pression, une pression de se conformer à l'idéologie dominante. Et quand la Bible parle de grande tribulation », le mot tribulation, c'est pression. Et, et on sent qu'une pression. Et on a besoin d'avoir des églises différentes et des chrétiens différents. Pour ces temps difficiles. Et c'est le titre de ma prédication ce matin, Une Église différente pour des temps difficiles. Comme c'était le cas il y a 2000 ans, euh, dans ce fameux cycle euh, où il y a des choses qui reviennent et on retourne à cette hostilité qu'on voyait dans l'état biblique. Euh, nous ne sommes pas encore, évidemment, au même niveau, mais on voit l'aube de quelque chose. Et de la même manière que tu prends une patate, une pomme de terre et un œuf et que tu les plonges dans l'eau chaude, euh, même contexte, deux résultats différents. Donc, L'eau chaude va durcir l'œuf et l'eau chaude va ramollir la patate. Et il y a différents types d'Églises et il y a différents types de chrétiens. Et alors qu'on va tous être dans la même eau chaude, il y a des gens qui vont se ramollir et il y a des gens qui vont s'affermir. Et la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, veut nous affermir, veut une Église ferme, une Église qui témoigne de Jésus sans compromis. Et c'est pourquoi, pour terminer, Pierre enseigne à l'Église. Comment être une Église différente pour des temps difficiles? Nous sommes dans le chapitre 5, dernier chapitre. Et voici ce que dit la parole de Dieu. J'exhorte donc les anciens. Euh, dans la Bible, les anciens, c'était les leaders juifs et ces gens qui se sont convertis au christianisme, dans l'Église, se sont devenus les pasteurs. Donc, quand tu vois anciens, on ne parle pas d'âge, on parle de fonction. C'est le synonyme de pasteur. J'exhorte donc les anciens ou les pasteurs qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, donc évidemment l'apôtre Pierre et tout ça, un pasteur est un berger, témoin des souffrances du Christ et participant à la gloire qui doit être révélée, faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous ont été confiés, mais en devenant les modèles du troupeau, et lorsque le souverain pasteur apparaîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce, il donne sa grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme en la foi, en sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est par le fidèle frère Sylvain que je vous écris ces quelques mots pour vous exhorter et pour témoigner que telle est la véritable grâce de Dieu à laquelle vous êtes attaché. L'élu qui est à Babylone vous salue, de même que mon fils Marc. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Paix à vous qui êtes en Christ. Amen. La parole de Dieu commence avec, premièrement, nous avons besoin de pasteurs différents. Euh, pourquoi je le mentionne? Parce que le ministère est difficile. Le ministère est difficile. Être pasteur, et il y a des gens que tu aspires à être pasteur et pour moi, c'est la plus belle des vocations, mais c'est pas toujours facile. Un matin, il y a une femme qui dit à son mari, Chérie, lève-toi, on doit aller à l'église. Il dit Je ne veux pas aller à l'église, je ne veux plus aller à l'église. Elle lui dit Chérie, il faut que ailles à l'église, on va être en retard. Il dit Non, j'aime pas ça, c'est toujours pareil, personne m'aime. Elle dit Chérie, c'est important d'aller à l'église, s'il te plaît, lève-toi les enfants, attendent, on va être en retard. Il lui prend la couverture, la met par-dessus sa tête, puis il dit Donne-moi trois raisons d'aller à l'église. La femme m'a dit, chérie, c'est parce que, ben, premièrement, c'est important pour honorer Dieu. Euh, deuxièmement, c'est un exemple pour les enfants. Puis, troisièmement, mais, mais c'est toi le pasteur. La réalité, c'est que le ministère n'est pas facile. Et, et, et là, de manière très sérieuse, vous savez, le portail, il y a beaucoup de gens qui, qui on a beaucoup de gens qui joignent à nous. Euh, beaucoup de nouveaux convertis, également de gens qui viennent de d'autres églises. Et il y a des histoires d'horreur. De vous savez, je connais beaucoup de bons et de très bons pasteurs, mais il y a aussi de mauvais pasteurs. Et c'est ce que la Bible parle. Ne soyons pas des mauvais pasteurs. Et en fait, la parole de Dieu parle des trois défis des pasteurs. C'est quoi les trois défis pastoraux? C'est simple. La passion, la paix et le pouvoir. La passion, la paix et le pouvoir. Premièrement, il dit Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Donc, garde ta passion. C'est difficile lorsqu'on est pasteur de garder notre passion. Je suis très transparent. Vous savez, souvent les gens idéalisent hein, le ministère pastoral, l'Église. On voit ça, et on se dit, ça doit être tellement merveilleux d'être pasteur, on est toujours à l'Église, on chante des cantiques, on se donne des versets bibliques, on sent la présence de Dieu, pas du tout. La Bible dit que l'Église est une bergerie. As-tu déjà été dans une bergerie? Moi, j'avais une vision poétique d'une bergerie. Je voyais ça comme maculé de blanc. Je voyais des petits nuages sur deux pattes qui se promenaient, où ça sentait la rose, puis il y avait une petite musique d'arbre qui jouait en arrière. Euh, quand tu vas dans une bergerie, c'est sale, ça pue, c'est dégueulasse. Maintenant, dans l'Église, il y a plein de beaux témoignages de la gloire de Dieu, mais quelquefois, on a à dealer avec le péché. Quelquefois, dans le peuple de Dieu, c'est sale, ça pue. C'est dégueulasse. Et un pasteur peut être découragé quelquefois. Deuxième défi des pasteurs, c'est la paix et l'argent. Regarde ce qu'il dit. Faites-le, non pour un gain sordide, mais de bon cœur. L'argent est souvent en danger aussi pour les pasteurs. Un homme, un jour, mais en fait, il y a un jour, il y a un bateau qui fait un ouvrage, il y a deux hommes qui se retrouvent sur une île déserte. Et là, c'est la panique. Puis il y en a un, qui panique, 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 fait les 100 pas. L'autre enlève son chandail, se met relax, prend du soleil. Et là, le premier dit Mais qu'est-ce que tu fais On est perdu au milieu de nulle part. Personne ne va nous trouver. Personne ne sait où on est. Où. On va mourir ici. Puis l'autre dit Mais non, relax, relax. Il dit Mais pourquoi, non Personne ne va nous trouver. Puis l'autre dit Mais non. Il dit Tu comprends pas. Là. Il dit Moi, là, je fais un million par année. Mais c'est quoi le rapport? Tu fais un million, ton compte de banque peut avoir 200 millions, tes millions ne vont pas te sortir d'ici. Là, oh, tu comprends pas. Moi, je fais un million par semaine. Okay? Donc, c'est à peu près 5, c'est au-delà de 50 millions par année. Puis, je suis chrétien. Mais c'est quoi le rapport? Est-ce que ton Dieu va faire un miracle parce que tu es riche? Là, tu dis non, excuse-moi, je vais être plus précis. Moi, je fais au-delà de 50 millions par année je suis chrétien, je suis fidèle à mon Église, puis, puis je donne ma dîme. Fidèlement, je donne 10 de tout ce que je gagne à mon Église locale pour l'œuvre de Jésus. Pas Mais il n'y a personne qui va nous trouver. Je dis, oui, inquiète pas, mon pasteur va me trouver. La réalité, souvent, pour le pasteur, est un défi de passion, de paix, puis je vais y revenir, et de pouvoir. Une des choses qui met le plus en colère, c'est quand les pasteurs, au lieu de paître les brebis, en font des michouis. Je vois des gens des fois qui arrivent, où ils ont été dans des églises où on les a exploités, on les a abusés. On n'a pas pris soin des brebis, mais on s'est servi des brebis pour exploiter tout ce qu'on pouvait exploiter. Maintenant, voici ce que je veux dire. Au portail, nous voulons être un pasteur différent. On ne veut pas être ce genre de pasteur. Voici ce que je veux dire. Au portail, nous sommes des pasteurs différents. J'en connais plein dans d'autres églises qui sont des pasteurs comme ça. Premièrement, nous sommes des, pasteurs, des pécheurs imparfaits, je vais te le dire. Et en passant, Pierre dit, lui-même, moi ancien, comme eux, témoin des souffrances de Christ, je te rappelle que Pierre a renié Jésus. Donc, Pierre est un pasteur imparfait, et tous les pasteurs que je connais, tous les pasteurs du portail, on est comme ça. Mais je te donne une garantie, au portail, les pasteurs, nous sommes là pour les bonnes raisons. Nous sommes là pour les bonnes raisons. Nous n'avons pas perdu notre passion. Nous revenons d'une semaine où on a une retraite pastorale. Et encore une fois, on priait, Seigneur, donne-nous 17 10 10 000 disciples qui vont te suivre, Jésus. Notre but est de former 100 pasteurs dans les prochaines années. On n'a pas perdu notre passion. Pourquoi? Parce que Jésus est notre passion. Puis je veux te dire qu'on le fait pour les bonnes raisons, on ne le fait pas pour l'argent. Merci, Seigneur. Nos pasteurs sont payés. Mais en passant, je te demande combien ça coûte un pasteur. Je ne te dirai pas combien ça coûte, combien c'est payé un pasteur. Je te dirai juste que certaines personnes qui m'écoutent sont plongeurs dans un restaurant et tu fais plus d'argent que les pasteurs du portail. Je vais te donner une idée. Okay? Et on est quand même bien, on ne se plaint pas. Je vais juste te dire qu'on n'est pas là pour la paye. Merci Seigneur qu'on puisse consacrer à faire l'œuvre de Dieu à temps plein, mais nous sommes là pour les bonnes raisons. Et nous sommes là pour non pas abuser des brebis, se servir des brebis, mais pour servir les brebis. Vous savez, la Bible dit ici, l'avertissement au pasteur, faites-le, parce que verset 4, lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. Au portail, nous avons cette conscience particulière que le pasteur des pasteurs du portail, c'est Jésus. En haut de l'organigramme au portail, ce n'est pas Guetembrassard, c'est Jésus. Le pasteur principal est un subalterne du souverain pasteur qui est Jésus. Et la Bible dit que tous les pasteurs, nous aurons à rendre compte à Jésus de la manière qu'on traite les brebis de son Église. Donc, dans des temps difficiles, on a simplement d'avoir des pasteurs qui sont là pour les bonnes raisons. Nous ne sommes pas parfaits, mais je te promets, mon ami, que nous sommes là pour les bonnes raisons, pour la gloire de Dieu et par la grâce de Dieu. Et la parole continue. De même, jeunes gens... Soyez soumis aux anciens. Et, et je t'arrête ici. Ici, pour nous, culturellement, on ne comprend pas trop. On se dit, OK, on parle que les jeunes doivent être soumis plus vieux. Puis, en fait, on ne parle pas d'âge. on parle de fonction. Un ancien, il y avait des anciens qui étaient plus jeunes que d'autres. Lorsqu'on parle d'anciens, ici, c'est simplement un comparatif. Ce qu'on veut dire, en fait, on parle des membres de l'Église. Hein? Les jeunes gens, c'est-à-dire ceux qui sont pas anciens, ceux qui ne sont pas pasteurs, soyez soumis aux anciens dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous tous d'humilité. Deuxième chose, dans des temps difficiles, on a besoin d'églises différentes, donc on a besoin de pasteurs différents, mais on a besoin de membres différents. Et au portail, nous prions et nous œuvrons et nous sommes reconnaissants pour des membres différents. C'est quoi des membres différents C'est que pendant longtemps au Québec, c'était possible d'être un chrétien consommateur. C'est quoi un chrétien consommateur C'est un chrétien qui va à l'église pour consommer. C'est comme si tu, tu vas faire l'épicerie à tous les dimanches et tu achètes les meilleurs mets. Tu achètes du caviar, tu achètes des, des tartares, des, des pâtes fraîches, des, des sauces. À chaque semaine, tu achètes des trucs, des trucs, des trucs, mais tu ne cuisines jamais. Puis tout ça se gâche, tout le monde tout ça se gâche, mais semaine après semaine, tu vas faire l'épicerie. Tu fais juste acheter de la nourriture, mais tu ne fais jamais de recettes. Puis il y a des chrétiens comme ça qui viennent recevoir la nourriture spirituelle à chaque dimanche, mais ils ne font rien avec. Et au portail, nous sommes reconnaissants pour un peuple nombreux qui non seulement vient se faire nourrir, mais fait quelque chose avec la parole de Dieu. Au portail, nos membres. Vous savez, quand on parle de membres, c'est ce que la Bible dit membres du corps de Christ. Hein, C'est-à-dire, on y a un engagement envers l'Église de Jésus. Nous avons besoin des uns des autres. Il y a quatre choses qu'on s'attend de nos membres. En fait, la Bible s'attend de quatre choses d'un chrétien par rapport à son église locale une présence, une participation, un partage puis de la prière. Premièrement, une présence. Vous savez, il y a des gens qui, depuis la pandémie, ne sont pas retournés dans les églises et disent Non, mais moi, je veux rester membre. C'est parce que ce n'est pas un titre honorifique, c'est une réalité. Je l'ai souvent dit si je me coupe le doigt et je le mets dans le frigo pendant deux ans. Non, non, mais il est là, là. Non, mais il ne suffit pas d'être préservé. Le doigt, pour être en santé, doit être connecté avec le corps. Il doit être présent avec le corps. Et c'est pourquoi, dans les temps difficiles dans lesquels on est, dans lesquels on s'en va, nous avons besoin, et tu as besoin d'être fidèle à ton église locale. Tu as besoin des uns et des autres. Donc, pour nous, c'est simple. Être membre du corps de Christ, il y a une présence, il y a une participation. Par exemple, les dimanches matin, dans nos cultes, tout ce qu'on fait... C'est pour partager la bonne nouvelle de la grâce. Nous sommes tous collaborateurs, que ce soit du stationnement, de l'accueil, comptoir d'information, euh, l'équipe de bienvenue, ministère des enfants, louange, pastorale. Tout ce qu'on fait, c'est pour communiquer la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Et chacun est important. Vous savez, cette bouteille n'est pas très lourde. Mais si je la tiens, comme ça, pendant une heure, elle commence à être lourde. Si je la tiens, pendant des heures et des heures et des heures, ça devient insupportable. Hein? Donc, si je dois tenir ma bouteille, j'ai besoin de mon autre main. Pourquoi? Pour équilibrer, on doit collaborer. Ça ne peut pas reposer sur un seul membre. Pourquoi on s'attend que nos membres vont participer, vont s'impliquer, vont servir? Pourquoi? Parce que nous sommes le corps de Jésus. Nous avons une mission. Ce monde a besoin d'entendre parler de Jésus et nous avons besoin. Beaucoup plus que des fesses qui réchauffent une chaise, des gens qui sont engagés dans la mission. Et la réalité, c'est qu'un membre qui est inactif est un membre qui devient ankylosé. Donc, encore une fois, nous croyons que notre service permet la vie de Jésus en nous. Troisièmement, le partage. On ne s'en cache pas. Vous savez, au portail, on ne met pas de pression sur les finances. On fait simplement, on prêche la Bible comme tout le reste. Mais nos gens sont bien conscients qu'il y a des choses que payer l'électricité ne se fait pas avec des prières. Donc, un des succès du portail, c'est des gens tous ensemble, nous contribuons librement, volontairement, financièrement à l'œuvre de Dieu. Ah, c'est comme, puis on pense c'est important parce qu'on pense, c'est comme si tu te promènes en plein hiver au Québec à moins 30 puis tu vois quelqu'un de complètement nu se promener sur la rue avec une belle mitaine. Qu'est-ce que tu fais là ouais, J'ai une super mitaine, j'ai une belle mitaine en or à me coûter 1000 $.»« Oui, Mais à quoi ça sert d'avoir une mitaine qui va te garder ta main seulement au chaud alors que le reste est complètement nu On comprend que chacun d'entre nous, Dieu ne nous donne pas des ressources pour qu'on achète une mitaine pour nous-mêmes. On a compris que c'est pas utile. S'il si y a une seule main qui est vêtue, c'est le corps qui doit être vêtue. Donc, on comprend qu'il y a une participation. Et la prière. La prière, c'est le sang qui se répand dans le corps. Donc, encore une fois, un membre, c'est quelqu'un. Vous savez, on dit souvent j'aime mon Église. Comment, on, comment on voit que tu aimes ton Église C'est simple. Par ta présence, ta participation, par ton partage puis ta prière. Et c'est ce que la Bible dit. La Bible dit soumettez-vous. C'est-à-dire, se mettre sous la mission de ton Église locale. C'est fondamental. Et lorsqu'on fait ça, c'est là que ça génère des Églises différentes. Regarde. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. OK. Permets-moi de faire une application assez particulière euh, et c'est très sensible, mais je veux le faire parce que je veux que ça soit enregistré, puis je veux que ça soit clair pour l'ensemble des sites du portail et le peuple du portail. Dans les temps difficiles dans lesquels on est, une des choses qui va rendre les temps les plus difficiles, c'est au niveau de l'éthique sexuelle culturelle. Notre culture a une vision du genre, de l'expression de genre, de l'orientation sexuelle, qui n'est pas la vision de Jésus du christianisme. Et on peut le dire avec plein de grâce, mais on doit être honnête il y a une confrontation qui est là. Et présentement au Québec, au Canada, on a des lois assez agressives contre les thérapies de conversion. C'est-à-dire que il n'est pas permis de forcer quelqu'un à changer son identité de genre. C'est-à-dire, par exemple, si une femme, donc quelqu'un qui est né biologiquement femme, dit qu'elle se sent homme, donc elle est transgenre, elle se comporte comme un homme, s'habille comme un homme, il y a des lois qui Disent, tu ne peux pas l'inciter à changer, à revenir à son sexe biologique parce que son identité de genre, c'est elle qui va les déterminer. La Bible, la, la loi parle également d'expression de genre, c'est-à-dire que si un homme décide de s'habiller en femme parce qu'il aime mettre des talons hauts et porter des robes, tu ne peux pas l'inciter à changer. La loi condamne ça parce que, encore une fois, tu dois respecter la thérapie de conversion. La, la loi, je dis toujours la Bible, la loi dit que, par exemple, si quelqu'un, un de tes amis, qui, 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 qui a une attirance homosexuelle, te demande de prier pour lui, ben, tu ne peux pas prier que Dieu en fasse un hétérosexuel, parce que la loi condamne ça. Maintenant, comment l'Église réagit à ça? Et c'est pourquoi je le dis ici, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui peuvent se dire. C'est quoi la position du portail? La première chose que je veux dire au portail, nous ne faisons pas de thérapie de conversion, car nous croyons que la conversion est la meilleure thérapie. On ne fait pas de thérapie de conversion, nous, on prêche Jésus. Deux choses différentes. Premièrement, nous sommes d'accord que tu ne peux pas forcer quelqu'un à changer. Hey, J'ai de la misère à me changer moi-même, je ne peux pas changer les autres. C'est pourquoi Dieu nous donne un cœur nouveau à la nouvelle naissance. On est d'accord. On est d'accord que Jésus n'est pas venu condamner, Jésus est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé, il est venu annoncer une bonne nouvelle. On est d'accord, le rôle de l'Église n'est pas d'exclure des gens, d'emblée. Jésus a dit ce pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin d'un de de médecin, c'est ceux qui sont malades. Hein? On, on croit qu'on ne peut pas imposer nos convictions aux autres. On est d'accord avec ça. On ne veut pas que les autres nous imposent leurs, leurs convictions, on ne veut pas imposer nos convictions aux autres. D'ailleurs, Jésus n'a pas dit je vous impose mon christianisme. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, si, ben, voici, si tu veux me suivre, ben, il faut que tu renonces à toi-même, tu portes ta croix, Mais ben, juste si tu veux me suivre. La balle est dans ton camp. Donc, si c'est bon pour Jésus, l'Église a la même position que Jésus. Cela étant dit, quelle est notre conviction? Ben, ben notre conviction, c'est celle de Jésus, depuis 2000 ans. Lorsqu'on a posé une question sur l'éthique sexuelle à Jésus, dans un autre contexte, mais Jésus a dit, au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme, et il parle du mariage. Les chrétiens, ce que la Bible déclare, c'est que ton genre, en fait, c'est ton sexe biologique. Et la Bible déclare que l'idéal du mariage est hétérosexuel. Ça, c'est ce que la Bible dit. Si tu me demandes ma position, je vais te dire, voici ce que dit la Bible. Voici ce que dit Jésus. Maintenant, je ne te l'impose pas. Mais si tu me demandes, qu'est-ce que la Bible dit? Voici ce que la Bible dit. Donc, c'est la nuance. Et pourquoi je le mentionne? Parce qu'on a quand même une clé. Parce que la Bible dit... Encore une fois, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Quelqu'un me pose la question, mais Pasteur Gaétan, il arrive quoi ce un dimanche matin, euh, une drag queen arrive à l'église? On fait quoi? On fait quoi? Ben, la première chose, on, on va faire ce que Jésus a fait. Qu'est-ce que Jésus ferait? Bien, c'est ça qu'on va faire. Au partage, on croit que tout a toujours rapport avec Jésus, ben on ne fait rien de plus et rien de moins que Jésus. Donc, une des clés pour comprendre ce que Jésus fait, bien, tu le vois ici, hein, c'est-à-dire, ayez de l'humilité. C'est quoi l'humilité, en fait? L'humilité, c'est d'abord de reconnaître l'intérêt de l'autre avant ton intérêt. C'est de reconnaître le besoin de l'autre de recevoir Jésus avant de te préoccuper du fait que tu es heurté, que tu es dérangé. Que es... Donc, la première, première chose, c'est l'humilité. Et c'est pourquoi au portail, on enseigne, on l'enseigne à nos leaders, on l'enseigne à nos membres. Dans ces cas, puis je prends ce cas extrême. Okay, je, fais une, je sais que c'est une caricature, mais tu peux l'appliquer à toutes les cas que tu voudras. La clé, c'est sois sage. C'est quoi sage? C'est un, un acrostiche. S, A, G, E. Sexuel, accueil, grâce, enseignement. Quatre étapes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, la réponse qu'on donne, c'est que c'est un dimanche matin, il y a quelqu'un qui arrive, et peu importe l'enjeu d'identité de genre, d'expression de genre, d'orientation sexuelle, on fait comme avec tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait Sexuel, ok Qu'est-ce qu'on fait On accueille. Une drag queen arrive à l'église. Qu'est-ce que tu fais, tes placeurs? Bien, tu fais la même chose qu'avec tout le monde. Tu l'assois. Et là, quelqu'un va dire Ben là, moi, je suis pas. Hey, moi, je suis pas confortable avec ça. Et mon ami, notre but en tant qu'église, c'est pas de te rendre confortable. C'est que tout le monde réalise que Jésus est formidable. On n'a jamais dit que le but, c'est que tu sois confortable. Jésus rendait les gens inconfortables. Donc, le premier réflexe, c'est, encore une fois, accueil. Quelqu'un va dire Oui, mais on fait quoi, si c'est une provocation puis, Parce que, vous savez, il y a toutes sortes de phénomènes. Vous savez, il y a, dans tous les milieux, hein, il y a des chrétiens qui sont comme ça, puis il y en a des non-chrétiens. Des fois, il y a des gens qui peuvent provoquer, juste chercher là. La... On fait quoi On veut juste voir comment l'Église va réagir, puis si ah, c'est une provocation. Puis, encore une fois, Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit? La Bible dit faites grâce réciproquement. Si tu es heurté, ton premier réflexe, ce n'est pas de défendre tes intérêts, c'est de faire grâce. Et l'autre étape, l'enseignement. Mais ça, c'est le rôle des pasteurs, ce n'est pas ton rôle. Le dimanche matin, ce n'est pas le rôle des membres de commencer à n'importe qui qui rentre, de commencer à. Ce qu'on fait, c'est toujours, hein, dans ces enjeux très, très chauds où ce que a des lois sexuelles. Premier réflexe de l'Assemblée, c'est toujours l'accueil. C'est en leadership, grâce, 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 grâce. Et les pasteurs, nous, c'est l'enseignement. L'enseignement retombe sur le dos des pasteurs. C'est nous qui allons rendre compte de l'enseignement. Donc, fais confiance à tes pasteurs. Jésus, vous remarquez, Jésus n'a jamais dit aux gens, « Va, ne pêche plus, puis après ça, viens, je vais te guérir. » Ah, Jésus a toujours dit, toujours accueilli les gens, toujours faites grâce, a touché les gens et a dit Va ne pêche plus Donc, au portail, souvent les gens sont insécurs, les chrétiens, parce qu'ils disent Oh, mais si mon Église est dans le compromis Au portail, notre ligne est claire. On n'a jamais, a jamais changé notre ligne. On a toujours prêché ce que Jésus prêche. Puis on l'a toujours fait avec grâce, toujours avec amour, toujours avec compassion. Donc, mais c'est important. C'est important de comprendre que dans ces temps difficiles, il y a le risque de la grâce et de comprendre, sois sage. Et je continue. Et là, tu peux l'appliquer à tous les sujets en passant. Hein? Là, on parle d'enjeux jeu sexuel. n'importe quoi. N'importe. Dans tous les sujets, toujours, toujours, toujours. Hein? Accueil, grâce, enseignement. Accueil, grâce, enseignement. Donc, l'assemblée, tu es là, toi, ton rôle, c'est que tu accueilles. Tu accueilles. es dans les deux chips, grâce, 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 grâce. Et laisse les pasteurs enseigner la parole. On continue. Il va dire, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobre, veillez votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme à la foi, en sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et, et je vais l'appliquer en disant un jeûne différent. Pourquoi Parce que ce mardi nous avons un jeûne et prière. Nous avons décrété une journée de jeûne et prière pour l'ensemble du portail. Nous allons avoir une réunion à Laval mardi à 19 h. On va convier tous nos sites. Évidemment, l'Abitibi, vous êtes les bienvenus, mais, mais ça risque d'être un peu loin. Peut-être que tu poses la question mais pourquoi jeûner euh, Jésus a pris pour acquis que les chrétiens jeûnent. Il dit quand tu jeûnes, Jésus a jeûné. La première chose qu'on voit, c'est que le diable rôde. Comme un lion rugissant cherchant qui dévorait. » Mon ami, je veux juste te rappeler. Okay? alors qu'on parle de temps difficile, qu'on parle d'Église, le diable faim. Le diable fin. Puis le diable, là, quand il regarde sur Hubert le menu, là, qu'est-ce qu'il cherche C'est l'Église qui cherche. C'est les chrétiens qui cherchent. Le menu de choix du diable, c'est l'Église. Il veut détruire l'Église. Le diable faim. Et pourquoi est-ce qu'on jeûne? Parce que nous aussi, on a faim. Mais nous, on a faim de Dieu. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et regarde, la Bible dit, humiliez-vous. Et c'est en ça que c'est un jeûne différent. Vous savez, tous les chrétiens jeûnent. Mais humblement, je crois que beaucoup de chrétiens jeûnent mal. Beaucoup de chrétiens jeûnent pour mettre de la pression sur Dieu. Beaucoup de chrétiens jeûnent pour impressionner Dieu. Beaucoup de chrétiens jeûnent pour dire, ouais, tu vois là, hey, j'ai tellement fait longtemps que j'ai le ventre vide, entends mon gargouillement comme une louange qui monte vers toi. Il y a beaucoup de gens qui jeûnent pour, OK, là, là, Dieu n'aura pas chaud, on va y mettre de la pression, mais non. Le jeûne, ce n'est pas pour t'élever, le jeûne, c'est pour t'humilier. Le jeûne te fait réaliser que tu as besoin de Dieu. Et la Bible dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Le jeûne... Est une déclaration de notre faiblesse. Il hein, n'est que vous avez, moi je suis fort, moi je jeune. On ne dit pas comme ça, mais. Est une déclaration de notre faiblesse. Hein? J'ai déjà parlé de ma théologie du pot de cornichon. Quand à la maison, quelqu'un est incapable d'ouvrir un pot de cornichon, on l'amène à moi, à papa. Quand l'Église jeûne, c'est qu'on se dit, on est incapable par nous-mêmes, on t'amène le pot de cornichon. Pourquoi est-ce qu'on jeûne? Parce qu'on veut implanter des églises. Notre prochain projet, on est prêt, c'est Montréal-Nord, Dieu voulant. Et on a des problèmes de zonage. Vous savez, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, on est prêt à implanter des églises. Vous savez, il y a eu des temps où on n'implantait pas beaucoup, hein, où les, les églises implantaient peu. Puis... Maintenant, on est prêt à implanter. On a, on a des pasteurs, on a du monde, on a. Hein, puis on puis même on, on développe, on a des fonds pour implanter. Puis... Le problème, c'est que tu arrives dans des endroits, puis c'est vrai, partout au Québec, le zonage est tellement restrictif. Donc, on dit oui, l'Église, liberté de religion, mais dans les faits, c'est extrêmement limitatif. Et c'est pourquoi on veut jeûner. Parce que nous, on est prêts, on a essayé d'ouvrir le pot de cornichon, on n'est pas capable. Donc, on dit Seigneur, on veut s'humilier parce qu'on a besoin de toi. Donc, c'est un moment où on reconnaît notre faiblesse, puis on veut se décharger sur lui. Quand on voit la prière et le jeûne, c'est se décharger sur lui. C'est un peu comme, savez, à un moment donné, tu as un dossier, tu as un dossier. Puis euh, tu prends ton dossier, tu dis maintenant, Seigneur, c'est ton dossier. Hein, le jeûne et prière, c'est, Seigneur, on te remet le dossier, on se décharge sur toi. L'implantation d'Église, c'est ton dossier. L'œuvre de Jésus, c'est ton dossier. Euh, L'œuvre, la mission au Québec, c'est ton dossier. La mission partout dans le monde, c'est ton dossier. La formation des pasteurs, c'est ton dossier. Le réveil, c'est ton dossier. Donc, ça nous rappelle que c'est le dossier de Jésus, ce n'est pas notre dossier. Et la Bible dit, résistez-lui dans la foi. Le jeûne est aussi une manière de résister au diable. Comment? Le mot pour résister, c'est un mot grec qui, qui a donné anti-histaminique. C'est quoi un anti Un anti-histaminique, c'est lorsque, par exemple, tu as des allergies, le rhume des foins, tu prends un médicament, et alors que tu as des symptômes, ça va combattre hein, le, 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 le pollen qui vient agresser ton corps là, lorsque tu es allergique. Donc, c'est quelque chose qui combat une agression. La Bible ne dit pas de, de chasser le diable, la Bible ne dit pas de courir après le diable, de lier le diable. Elle dit résister. Simplement résister. Il y a des moments comme ça où le jeûne et la prière, c'est un moment où l'Église se lève pour dire on résiste. C'est un moment où on est là, puis on restera pas passif, on ne sera pas nonchalant nous allons résister dans la foi. C'est-à-dire, on se lève et on fait confiance à Dieu. Puis on dit, Seigneur, c'est à toi de nous élever, mais on se lève. Et c'est ça un jeûne différent, c'est-à-dire, on le fait pour les bonnes raisons. Donc, si tu es disponible ce mardi à tout le peuple du portail, on t'invite ce mardi à l'aval où on va vraiment, on t'invite à jeûner toute la journée. Et même si tu ne jeûnes pas pour des raisons médicales ou peu importe, si c'est ton premier jeûne, peut-être tu peux commencer par un repas. Encore une fois, ce n'est pas une loi, ce n'est pas une religion, c'est une disposition de cœur. Mais on, on vous invite tous ensemble à 19 h euh, mardi pour une réunion de prière, beaucoup de temps dans la louange, euh, justement pour s'attendre à Jésus parce que c'est lui qui bâtit son Église. Et en terminant non seulement cette prédication, mais en terminant, terminant ce message, Regardez la belle promesse. Et pour moi, là, je pense que c'est possiblement mon verset préféré, la parole de Dieu. Verset 10. Le Dieu de toute grâce. Hein, c'est intéressant, le Dieu de toute grâce. Beaucoup de chrétiens connaissent la, la grâce du salut. On est sauvé par grâce. Et c'est pourquoi mon dernier point, c'est une grâce différente. Le Dieu de toute grâce, c'est-à-dire la grâce de Dieu n'est pas limitée au moment où tu es sauvé. La grâce de Dieu est le début, le milieu et la fin de la vie chrétienne. Donc, c'est le Dieu de toute grâce. Ce n'est pas le Dieu de toute condamnation. C'est le Dieu de toute grâce. Ce n'est même pas le Dieu de la grâce, c'est le Dieu de toute grâce. Qui est en Christ? Hein, parce que toujours, tout a toujours rapport avec Jésus. Il vous a appelé à sa gloire. Hein, peu importe ce que tu vis, peu importe ce qu'on vit en tant qu'Église, peu importe ce qu'on va vivre. Dieu nous a appelés à sa gloire. Et on va terminer là où Dieu nous a appelés. Pourquoi? Parce qu'après que vous aurez souffert un peu de temps, hein, dans la vie nécessairement, il y aura des souffrances. Vous formera lui-même. Hein, Dieu lui-même va, va te former, il va former ce qu'il veut en toi, il va former ce qu'il veut dans le portail. Il vous formera lui-même. Dieu ne délègue pas, il fait lui-même. Il vous affermira. Non seulement il va te former, il va te rendre ferme. Il est celui qui rend les églises locales fermes, il rend son église ferme. Il vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera. Non seulement tu es ferme, tu ne vacilles pas, mais tu es fort. Il va te fortifier. Il fortifie son église. Et à un point tel qu'il vous rendra inébranlable. Il y a des choses qui vont te brasser, il y a des choses qui vont te secouer, mais par la grâce de Dieu, il n'y a rien qui va te faire tomber. Peut-être que tu vas plier le genou, peut-être que tu vas pendant un temps, mais par la grâce de Dieu, tu vas te relever. Et la Bible dit à lui la puissance au siècle des siècles. Et le verset suivant, l'apôtre Pierre va dire que le but de son épître, c'est pour témoigner que telle est la véritable grâce de Dieu. Parce qu'il y a une fausse grâce, hein? Il y a une, une, une grâce cheap, une grâce limitée. Et Pierre dit Voici la véritable grâce de Dieu Et regarde comment est-ce qu'il termine. Paix à vous tous qui êtes en Christ. C'est intéressant, ça fait, ça fait des. j'ai possiblement prêché la moitié de la Bible. Et quand tu es dans les Épites particulièrement, c'est intéressant comment non seulement c'est saturé de Jésus, c'est saturé de la grâce, mais à la fin, on dirait que continuellement, les auteurs bibliques sentent le besoin de rappeler l'essentiel. Donc, alors qu'il y a des temps qui ne sont pas toujours faciles, généralement, ou peut-être personnellement, tu vis des temps difficiles, que Dieu nous donne la grâce d'être des pasteurs différents, que Dieu nous donne la grâce d'être des membres différents pour, pour être une Église différente. Hein, Qu'est-ce que je veux dire? Vous savez, l'Église, Jésus se battait sur deux fronts, puis l'Église se bat encore sur deux fronts. On, on se bat d'un côté sur le front du monde, de la culture, du paganisme. Mais Jésus se battait aussi sur le front du légalisme et des pharisiens. Vous savez, tout à l'heure, je parlais de l'enjeu, je parlais des éthiques sexuelles et. Il y a un double défi pour moi. Tu as le défi de dire, voici ce que dit la parole de Dieu. On va le dire avec grâce, compassion, mais voici ce que déclare la Bible. On, on peut pas, on, Personne n'a le droit, aucun chrétien, aucun pasteur n'a le droit de réécrire la parole de Dieu. On ne peut pas changer ce qui est vrai depuis tout le temps pour ce qui est à la mode depuis cinq ans. On ne peut pas. Puis cela étant dit, on respecte les gens, on les aime, on a le droit d'être en désaccord, ça ne change rien, on les accepte, on leur fait grâce. Mais il y a une réalité. Puis de l'autre côté, on doit, aussi, on doit aussi se battre contre les chrétiens légalistes, pharisiens, qui manquent d'amour, qui sont durs, qui sont hypocrites, qui pointent les péchés des autres et qui ne vont pas le pécher dans leur propre vie. Et c'est en ça que, quand tu as des pasteurs différents, des membres différents, ça peut être une Église différente. Et dans notre contexte actuel, avec ce qu'on vit, il y a un jeûne différent. C'est-à-dire qu'on ne jeûne pas pour avoir des bons points de vendu. On ne jeûne pas. Souvent, les chrétiens vont jeûner pour avoir, en quelque sorte, des mérites. Ils ne diront pas comme ça, mais Hein? Donc, la parole de Dieu parle d'un jeûne différent. Pourquoi? Parce qu'il y a une grâce différente. Cette grâce n'est pas limitée au salut. Cette grâce, elle sature toutes les sphères de la vie chrétienne. Donc voilà, c'était la parole de Dieu pour ce matin.